Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi je fais ces vidéos. Mais en fait personne m'a posé cette question, mais je vais quand même y répondre. En vrai, alors là, un premier élément de réponse, ça peut être j'aime bien le fait d'archiver un peu la pratique artistique. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, ce que je voulais faire, c'était montrer quand je suis en train de créer, quand je suis en train de réfléchir à une peinture. Par exemple, là, c'est une peinture en cours, pour l'instant elle est moche quoi, et j'ai envie de tout effacer. C'est hyper dur de juste parler à une caméra. Vous êtes là? Internet. Il y a plein d'erreurs, plein de trucs, donc j'essaye d'éliminer au montage. Je vais galérer, je fais des fautes de français, ça c'est. Voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. J'apprends à être un youtubeur. Moi, j'ai appelé ça la vie d'artiste parce que c'est vraiment un espèce de fantasme qu'on a de dire ouais, la vie d'artiste et tout. Et c'est vrai que c'est fou en fait. On fait que des rencontres, on fait des choses trop bien, des projets trop cool, mais c'est pas tout le temps évident, c'est pas tout le temps facile. Et des fois, on s'ennuie, des fois, on rate tout. Je voulais dire que si je fais toutes ces vidéos, c'est juste pour vous partager un moment de la création. J'aime bien faire ça, je le fais pour moi et mes potes. Ma famille qui regarde, et s'il y a des gens intéressés en dehors, c'est mieux. J'attends pas grand-chose de ces vidéos, juste kiffer. C'est aussi pour ça que j'ai commencé les séries 10 minutes, qui sont la suite des Tommy Show. Tout simplement parce que je vois des choses qui sont cool, de gens qui font des choses, j'ai envie de documenter. C'est important de documenter la période actuelle de création, parce que voilà, c'est comme chaque époque, il y a ses courants, il y a ses modes, et on en fait ou pas partie. Enfin bref, oui, on se retrouve très vite. Je vais peindre un store à la manière de David Hockney. Et ça, je pense que ça va vous intéresser. Très bonne journée.